Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le dernier qui sort du cercle gagne 1000$ les gars, je suis avec tous mon les gars, il y aura des épreuves éliminatoires, des épreuves de bonus et de malus. Si vous touchez le cercle... Non, clairement c'est pas un cercle, c'est un carré noir et c'est pas rouge, on m'explique. T'as un problème avec le nom? Comment t'es sûr de dire que je suis raciste Non. Avant que la vidéo débute, on fait quoi? On n'hésite pas à s'abonner, activer la cloche, mettre le gros pouce bleu qui fait plaisir. Mettre le code créateur DHM dans la boutique, comme ça je peux... Ouais, les gars, avant que la vidéo commence, je rappelle, il y a 1000$ à gagner. Est-ce que quelqu'un est prêt à quitter la vidéo pour 100€? En sachant qu'il y a 1000$ à gagner, est-ce que quelqu'un pour 100€ est prêt, les gars, à quitter la vidéo? Non, moi, je suis chaud. Déjà, vous allez tous perdre, d'accord? Je m'en fous! Tiens, viens avec moi, non, mec! Viens avec moi, Noah, ça! Mec de droite! Les gars, on est avec Choco, Melly, Cradock, PJP, Sodé, Mighty, Twanlag et Rayton! Ça va ou quoi, les gars? Bon, on va arrêter de rigoler là. Okay. On passe à la première épreuve, qui va être une épreuve que vous connaissez purement du hasard. Vous allez devoir piocher dans un bocal. Il y a des numéros, il y a des lettres. Tous ceux qui ont une lettre, la lettre X, vont devoir faire un pierre-feuille-ciseau pour savoir qui va être le premier éliminé. C'est parti. Vous prenez un papier, tu ne regardes pas ce qu'il y a à l'intérieur au début. Vas-y, prends un papier. J'espère que c'est le... Attention. Dites-moi en commentaire si selon vous les sorties du carré, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un a vu? Moi j'ai vu. Ok, bon, on a des doutes. Force Jumper, est-ce que tu veux rester dans la vidéo? Tu vas devoir croquer un oignon cru. Maintenant là? Maintenant tout de suite. C'est un fruit ou un légume l'oignon? Vous êtes prêts les gars? Attention. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Choco, choisis bien. Ton lag. Lina, il va se faire têche, j'ai aucune raison. Non, en fait, il y aura 2x. Ils vont faire un pierre-feuille-ciseau pour savoir qui des 2x sera éliminé. Bon, en attendant, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Ok, Cradock, ouvre ton premier papier, mon ref. Prépare-toi pour le pire feuille ciseau, mets-toi sur le côté, mon ref. Voilà, t'as le droit de sortir. Après, peut-être, non, c'est peut-être un piège. Choco, à toi d'ouvrir le papier. Pourquoi je prends un câlin derrière? Ils sont déjà trop attachés, va faire un câlin. Mais vous venez de vous rencontrer, vous êtes déjà. Détends-toi. Moi, je suis mieux choper. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, merde, messieurs dames. Ouais. Bon vas-y, je passe dans toutes les vidéos, j'y vais Je suis des micro-trottoirs, alors tu préfères tromper ou être trompé? Putain, mais c'est bizarre, c'est un bordel. Choco, à toi d'ouvrir le petit papier. Je stresse en fait. Attention, si t'as un X, c'est mort. Le 2. Oh, ok, tranquille. Mighty Evan. Oh, c'est 3 moi, pour le coup. On va passer à Rayton, à toi d'ouvrir le petit papier. Il est trop confiant. 4 mon gars, putain. Les gars, on va passer à la prochaine fille. Est-ce que tu peux venir ouvrir? Elle n'est pas encore éliminée les gars. Elle va devoir faire l'épreuve du pierre feuille ciseau contre Cradock, juste ici. Cradock qui est venu de très loin, qui va peut-être retourner cadrer avec le poteau qui est là. S'il vous plaît, sortez du cercle. Pourquoi je dis cercle, c'est carré à chaque fois, je me trompe. 1 minute later. Sortez du cercle, vous pouvez sortir du cercle, vous pouvez sortir du cercle. Ok, d'accord. Vous allez devoir faire un pierre-feuille-ciseau. Celui qui perd ce pierre-feuille-ciseau rentre chez lui et ne gagne pas la somme d'argent. C'est en un point? C'est en un point. Un point gagnant. Melly, Cradock, vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, go! Mec, t'es venu de si loin pour repartir si vite, allez, c'est pareil. On le sait. Force à moi. Malheureusement, c'était pas mon jour. Je mise ma pièce sur mon meilleur joueur, Power Jumper. Il va gagner, c'est mon gars. Ouais, ouais. Du coup, pour Cradock, s'il vous plaît. Attends, mais les gars, vous avez pas le droit d'être assis, hein? Quoi? Oignon? Non. Oignon? Mais clairement, en fait, oignon! 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 Ok, les gars, épreuve malus, du coup, vu qu'ils se sont assis. Attends. Donc, ça, c'est un oignon qui a déjà été mangé par. Non, pas du tout, genre vraiment pas. Ok, je comprends, c'est normal. Let's go, 3, 2, 1. Plus gros. Il a fait un creux de bâtard. Et c'est pas un Big Mac, mon pote, hein? Moi j'aime bien. Non. C'est McDo tous les jours, ce moment. Mais arrête! Les gars, ils puent de la gueule. C'était eux, ils m'ont demandé de le faire, ils m'ont demandé. Attends, viens, les sort. Gros,
retournement de situation. Il dégoûte, la vie de moi me dégoûte. Les gars, on va passer à la prochaine épreuve, qui est une épreuve déterminante. Choisissez un endroit déjà dans le carré. Attention, je vous dis, si vous êtes collé à certaines personnes, ça peut être dangereux pour vous. Du coup, les gars, pour cette prochaine étape, vous devez vous mettre cloche-pied. On reste. Moi les gars, je vais aller tranquillement m'acheter à boire. Pendant ce temps, Cradock va être l'arbitre. Je vais tout regarder. Il y en a un qui sort son pied. Il est mort. On va rester combien de temps là? Ok les gars, je vous laisse avec Cradock. Et vas-y, à tout à l'heure les gars. Bon allez, viens avec moi. Ok, du coup, juste après les gars, il y a une épreuve de bonus et de malus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le bonus. Et le malus est dans mon sac à l'intérieur. Mais du coup, je vais tranquillement acheter. J'achète quoi? Un Kinder. Un bon Kinder. Kinder Bueno, ouais. Kinder Bueno. Oh, il y a un bon Kinder Bueno là. On va aller voir si quelqu'un s'est fait éliminer. Viens avec moi. Ouais, est-ce que quelqu'un est éliminé? Deux éliminés. On a Choco qui est tombé, mais en tombant en fait, elle a poussé Power. Bon, de base, j'avais prévu qu'un éliminé pour cette épreuve. Ça veut dire qu'il y a une petite épreuve pour revenir dans le cercle. Eh, hey, nous, on peut mettre nos pieds par terre? Non. Mais moi j'aime pas le hasard hein. Moi j'aime bien le hasard là. T'aimes bien le hasard? Est-ce qu'on ferait pas une pioche? Celui qui pioche le X il est éliminé. Ça me va. Non moi ça me va pas du tout. Je stresse. Moi je stresse pas parce que je vais gagner en fait. Je vois le futur. Je vais gagner. Bah après évite hein. Parce que tu sais tout peut se retourner contre toi. C'est tout. Ta faute, c'est ta faute. C'est la tienne. C'est la tienne. Tu t'as dit que je tremblais en fait. Mais commence pas à parler mal avec moi. C'est pas parce que tu es Fortnite tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta faute. C'est ta faute. Grand parce que ça y est il est youtubeur Fortnite. Il se prend au-dessus des autres. Ok, j'ai ici avec moi deux papiers, un avec un numéro, un avec un X. Vous allez faire un petit pierre-feuille-ciseau pour savoir qui choisit en premier le papier. Celui qui a le X est évidemment éliminé. Pierre-feuille-ciseau tout de suite là. Choco, 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 Power. Oh, bloqué. Ok les gars, Pierre, feuille. Choco. C'est de la triche, c'est de la triche qui vient de faire. Attends, il invente un nouveau jeu. Mais... Là, attends, mais le pierre-feuille-choco. Pierre, feuille, Choco. Et c'est Choco. Attends. En fait, on a oublié. C'est Choco qui choisit en premier quel papier elle va prendre. Ok, plouf, plouf, une boule en or. C'est toi que je choisirai en premier au bout de 3. 1, 2, 3. Celui-ci. Est-ce que t'es sûr? T'as perdu chocolat. Attention. Ça sent la une croix, ça. Voilà, deux. Choco éliminé de la vidéo. Alors qu'elle avait gagné le pierre-feuille-ciseau. Avant de partir, j'aimerais remercier mes parents qui m'ont mis au monde. Et j'aimerais vous remercier pour le pouce bleu. Salut. Mais non, t'as soudé. Ah oui, aussi vous, ouais. Choco. Bye bye. Bye bye. C'est mon meilleur profil, lui. Loser. PJ, t'as de la chance. T'as de la chance. Je savais que j'allais gagner. Elle m'a fait tomber. Ok, frérot. En vrai, c'est la justice. C'est la justice. Et vraiment, t'as le droit de re-rentrer dans le carré. Les gars, on va passer une petite épreuve de confort. Ouais. Est-ce que quelqu'un aimerait avoir ton short? Non. Ton amour, la chaussette droite, je t'aime. Ta langue. En vrai, les gars, c'est maintenant plus de 35 minutes que vous êtes là, en train de galérer. Là, vous êtes à cloche-pied. Il y en a qui ont mangé des oignons, les gars, je vous jure, ça pue tellement. Ça pue, ça fouette. Vraiment, ça fouette. Tais-toi! Je vais pousser! Arrête! Je vais pousser! C'est la peur là. Les gars, épreuve de confort pour gagner un petit Kinder Bueno. Oh, cool. Qui va vous donner du sucre. Et les gars, ça va être très simple. Faut juste faire un bottle flip. Bonjour, je ne sais pas ce que c'est un bottle flip. What's kind of hard. Tu mettrais les sous-titres, s'il te plaît. Les gars, c'est du one shot. Petite épreuve de confort, petit Kinder Bueno. Power Jumper, tu commences. Ok, le bottle flip à cloche, les gars. Power Jumper, attention. Oh, Jean Fortin. C'est éliminé. Power Jumper éliminé de la vidéo. Sans le confort, le Kinder est en jeu. Let's go. Tu penses y arriver ou pas? Ouais. Ah ouais. Nope. Ah, quel balade. J'ai tenté. Ok, à toi, Mighty Evan. Allez. Micro trottoir des folies. Premier gagnant pour l'instant. J'attends de voir pour diviser après. Nope. Ouais, je suis déçu, je ne m'en ai rien. Kinder a gagné, je les mets devant toi, t'es mort. Nope. Oh, dommage. C'est pas grave, de toute façon, c'est la participation qui compte. Là, à cause de l'oignon, j'ai envie de boire l'eau. C'est vrai que t'as un peu la bouche pâteuse. Ah, tu pues de la gueule, mec. Nope. Aïe, 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 on a un seul gagnant, monsieur le gagnant. Qui avait gagné déjà? C'est moi. Evan, deux Kinder pour toi. Merci beaucoup. Après, tu peux partager si t'es gentil. Ah, tu peux faire un truc? Excusez-moi, quel est le meilleur youtubeur de France? Je crois que c'est... DHM. C'est pour ça que je vais l'offrir à DH. Oh. Ouais. Tu sais quoi? T'as le droit de poser ton pied. Merci. Ouais. Bon, en vrai, les gars, vous pouvez tous poser vos pieds. L'épreuve de confort est terminée. Faut le mettre quand ses parents sont pas là. Code DHM pour pécho de la moula.
Les gars, on va passer à la prochaine épreuve. Est-ce que vous savez dessiner? Ouais. A little bit. A little, hein? A little bit. Non, un petit peu, ça va être en anglais. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Attention de ne pas toucher le carré noir. Il a touché. Ça toque. Un happening est en train de se passer en ce moment même sur le studio. Mais Choco... Oh, il y avait du feu aussi. Vous faites quoi? Choco, tu fais quoi ici? En fait, j'aimerais revenir. Je m'ennuie ici. Je peux te laisser revenir, mais pas dans le carré. D'ailleurs, Power Jumper a essayé d'éliminer juste après toi. Quoi? Mais voilà, c'est quoi cette histoire? Va l'engueuler, va l'engueuler. Mais t'es sérieux? Donc tout, moi, je m'élimine à cause de toi, et toi, tu perds juste après. Mais toi, t'es nul. Regarde, t'as pas d'équipe. Mais... C'est bon, ouais, c'est bon. Par contre, Choco, je sens que cette vidéo tient à cœur, et je vais te laisser venir en présentatrice avec moi. Ça va? Ouh. Legit. Ok. Let's go, prochaine épreuve, épreuve de dessin, les gars. Et c'est parti. Ciao. Merci. Merci beaucoup, DH. Attends, qu'est-ce qu'il est beau, ce mec. Merci. Et saut délire. Vous allez devoir dessiner Woogie 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 Woogie, comment on dit? Woogie Woogie. En 5 minutes, top, c'est parti. Ils ont le droit de céder du modèle. Il y aura deux juges pour cette épreuve. Il y a Power Jumper qui a été éliminé juste ici. Et il y a Choco qui est revenu. Eh, moi j'ai faim, hein. Vous avez pas faim, vous? Si vous avez faim, vous pouvez sortir, vous savez. Un chronon. Ah non, 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 sors et je te laisse lâcher un croc. Il reste 3 minutes. Oula, on va voir, elle est partie en cacahuète. Oh oui. Non, non. Il a touché. Ça dépasse pas. La vie t'a touché. Ça dépasse pas. Attends, est-ce qu'on peut le voir ici? Il est cuit, il y a le plan. Il est cuit, les gars. Plein de lag. Non, j'ai pas touché. Je te jure, t'as touché. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Il y a la VAR, il y a la VAR. Plein de lag, malheureusement, je vais te demander de poser ton stylo, mon ref. Quoi, il s'en va? Il a touché le carré noir, sans faire exprès en dessinant. Petit moment où il touche le carré. Ah, c'est terrible, malheureusement. Attends, on va aller voir de l'autre côté s'il y en a qui touchent. Non, personne touche. 30 secondes pour finir votre dessin. Je rappelle, les gars, pour bien vous stresser, qu'il y aura, Shimok, deux éliminés. Deux éliminés pour cette épreuve, les gars. 5, 4, 3, 2, 1. Merde, j'ai bien silencieux. Bon, c'est fini, posez vos stylos. Posez vos stylos. Mettez votre prénom sur le dessin, s'il vous plaît. Mettez-le au dos, le prénom, pour pas qu'il y ait de triche. Les gars, la prochaine épreuve, c'est la finale. Est-ce que quelqu'un veut partir pour 100$? Est-ce que c'est des vrais dollars? C'est des vrais dollars. Est-ce que t'as 20€? Tu préfères 20€? 20, parce que je suis pas en States, frère. Tu préfères 100$ ou attends, 20€? La bouffe de Choco. Non, mais non, en fait, non. On touche pas à la bouffe de Choco. C'est précieux, en fait. Du coup, vous savez quoi? Je transforme les dollars en euros, parce que ouais, c'est vrai, on est en France. Qui veut sortir pour 20€? Vous avez 5 secondes pour accepter. Pierre Feuille Ciseaux, celui qui sort. Pierre Feuille Ciseaux, oh non. Celui qui perd, il gagne de l'argent. Pierre Feuille Ciseaux. On peut recommencer, je dis que t'as perdu. Non, non, mais t'as perdu, mais t'assumes pas. T'es éliminé. Mathieu Evan qui sort. Attends, est-ce qu'on peut voir ton dessin quand même avant de passer au juge? J'avais fait un truc pour essayer de t'acheter, mais j'avoue, j'ai pas réussi. Finalement, c'est toi qui m'as acheté. Avec un cœur, DHL. Eh, j'avoue, son dessin, il est. Il est bien moche, hein. Ah ouais? Bon, tiens, je te donne quand même les 20€, je suis gentil. Merci les gars, du bruit pour Mighty, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Les gars, moi je vais aller récupérer les dessins. Vos dessins, s'il vous plaît. Petit main balle. Mec. Voilà, bah, merci beaucoup, moi je me casse. Allez, salut. Ok, les gars, on va voir les juges. Choco, PJP, vous avez là 3 dessins que je vais poser par terre. 2. Et 3. Ok, je vais demander d'éliminer un de ces 3 dessins. Ne vous mettez pas devant vos dessins, restez à l'arrière pour pas qu'il triche. Déjà, il y a un problème là dans ce que tu nous demandes. Ouais. C'est à quel moment on va éliminer lui? Brad, il est parfait, on dirait une image internet. Mais oui, regarde même celui du milieu, il est trop mignon. Ouais, bon, Choco, Power Jumper, quel est votre choix? Qui allez-vous éliminer du dessin 1, dessin 2 ou dessin 3? Dites-moi d'ailleurs en commentaire, selon vous, quel est le meilleur dessin? 1, 2 ou 3. Choco, lequel? Moi je te laisse décider. On en a parlé, donc. On en a parlé, ouais. On est d'accord. Moi je suis pas très fan du petit au milieu, il est tout petit. On dirait un bébé Huggy. On n'a pas dit bébé Huggy, on a dit le grand Huggy. Ok, Huggy. Je vais vous demander, chaque dessinateur, de vous mettre devant vos dessins. Aïe aïe, qui va être éliminé? Aïe 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 aïe. J'ai voulu faire quelque chose de mignon, tout ça, mais ouais. Bien joué, Sparab. Du bruit, s'il vous plaît, pour sauter. Ouais, t'as malheureusement éliminé. Et on va passer à la grande finale, les gars. Juste par contre, un truc. Bon les gars, pour cette dernière épreuve, il nous reste 2 participants. Bien joué à vous. La dernière épreuve, je pense qu'il y a quelqu'un qui va être avantagé. C'est toucher le plafond? Non, c'est un tir à la corde. Guettez les talons. Mais moi j'ai moins de force que toi. Il faut que je m'échauffe. Je vais m'échauffer. Oh, oh, oh. Ouais, moi, je suis là. Les gars, on se retrouve directement pour la dernière épreuve et la finale. Bien joué d'être arrivé là. Bien joué, franchement bien joué. C'est un tir à la corde. Le premier qui rentre dans le petit carré noir ou qui lâche la corde est éliminé. Je vais vous demander de poser vos pieds à 30 cm du carré. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis pas prêt, mec. Je suis pas prêt. J'ai trop peur de perdre, gros. Il va y avoir un décompte. Choco va diriger le décompte. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Allez! Allez! Allez!
tué. Mais il l'a tué. Elle allait mourir, wesh. J'ai pas lâché. J'ai pas lâché la corde. Théoriquement, regardez, elle est pas dans le cercle techniquement. Personne a perdu, hein. Les gars, Raiton est le grand vainqueur. En vrai, c'était un bon combat. Ah, je t'ai fait mal encore. Wesh. Je suis vraiment désolé. Genre, les gars, je pensais pas avoir autant de force en même temps. C'est mes heures à la salle du tour. Wow. Ça, je vais être démonétisé comme toi, Nag. Bon, Raiton, 1000 dollars pour toi. Tu vas faire quoi avec cet argent? Attends, mais c'est pas ce qu'il y a avec cet argent. Eh, regarde. Wow. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. GG Raiton. Et oubliez pas, les gars, à